Bonjour à tous, l'été arrive, les apéros aussi, donc voilà une idée recette pour préparer des chips faits maison à partir d'une banane plantain que vous pouvez acheter à un supermarché. Donc comme vous le voyez sur ma présentation, bon, j'ai épluché ma banane, j'ai coupé ma banane en petites rondelles de 1-2 mm à peu près, que j'ai trempé dans l'eau 2 minutes, ensuite j'ai essoré mes bananes. Et je les ai étalés ici sur ma plaque. Et après, j'ai badigeonné chaque banane avec un petit peu d'huile d'olive ou d'huile de tournesol, ce que vous avez à la maison. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et donc, tout cela est prêt maintenant à cuire. Voilà, pour une durée de 15 minutes. Donc voici le résultat après 15-20 minutes de cuisson. Je vous conseille durant la cuisson de vérifier et puis remuer un peu pour qu'il y ait une cuisson un peu plus harmonieuse. Ensuite, vous pouvez les consommer soit nature, sucré ou salé selon vos préférences. Vous pouvez éventuellement faire cuire aussi cette banane de façon frite, comme des frites par exemple si vous n'avez pas de four. Et puis voilà, donc je vous souhaite un bon appétit et bon dimanche à tous.